toi, Titi. Salut. Ça va, Victor? Ça va? Bien? Nickel. Bon, t'as préparé une petite surprise. Ouais, je... Tu vois ce que ça fait de skier sans les jambes? Ah bah allez. Ouais. Victor, moi juste, Simon m'accompagne pour m'apprendre. Et après, une fois qu'il m'a bien montré des trucs, je te montre des trucs. Ouais, ça marche. Et moi, je montre à Simon comme ça, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et là, et les trois, et t'arrives à Pékin et t'as eu la meilleure formation que tu pouvais avoir. Allez, on est parti. Ça va pas trop vite, hein, que je puisse te suivre. Voilà, ça va vite, là. Tout est dans le regard. Voilà, à droite. Non. Les bras un peu vers l'avant. Tourne là-bas. Je vais aller là. Là. Ah, là-bas, j'ai plus de bras. Ah. Attends. Ah, je fais une pause, Simon, mon frère. Ah. Mais tu dois faire de la muscu tous les jours, c'est pas possible. Comment t'as découvert, toi, le handiski? Moi, c'est ma mère, juste après mon accident, qui s'est renseignée un petit peu. Parce que t'as un accident en 2011. En fait, j'allais trop vite sur une bosse. Tu allais m'écraser sur le plat, sans avoir de protection pour le dos, et avec un sac à dos avec des baskets dedans. Donc ça a été un peu 5-6 mauvaises décisions à la fois qui ont résulté en une bonne gamelle. À partir de quel moment t'as commencé à espérer rêver des Jeux Paralympiques? Honnêtement, jusqu'à il y a un mois et demi, c'était loin. Et là, avec les championnats du monde où j'ai pu faire ma médaille d'argent en slalom, on a une course de chaque discipline, il ne faut pas se louper. Et là, je ne me suis pas loupé. Tous les trois, là, on va laisser faire une belle à fond la caisse. Je pense que même aux Jeux Paralympiques, tu n'iras pas aussi vite. On envoie. Allez, c'est parti, on envoie. Oh, ça commence à aller vite un peu. Ça commence à aller vite, hein. Oh la vache, je suis à la limite, hein. Oh, ça descend vite. Oh, c'est rapide.